avoir si fait tant lié au lofi barre. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Il y a 5 ans, j'ai un enfant. Après cela, j'ai désiré d'enfant, mais ce n'est plus venu. À un moment donné, je sentais qu'il y a une masse qui me dérangeait dans mon ventre. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait une échographie. Et on m'a détecté qu'il y a des kystes dans mon ventre. Ce jour, c'était un mercredi. Le soir de ce même jour, je suis revenu à la séance de prière ici. Quand c'était venu, l'homme de Dieu a prié. Quand il avait fini de faire la prière, il a commencé par prophétiser. J'étais assis de ce côté-ci. Et quand il circulait au travers des chaises, quand j'ai soulevé l'échographie, l'homme de Dieu m'a vu. Et l'homme de Dieu déclarait en même temps: je transforme ces kiss en bébé. Et j'ai répondu: je reçois. Maintenant, il y a quelques jours, je sentais des malaises. Je me suis dit: c'est quoi en réalité? J'ai été prendre un test de grossesse. C'est positif. Le positif, le fou. Quand j'ai vu que le test était positif, je n'y croyais pas. Je me disais que c'est certainement le kyste qui est dans mon ventre qui fait que le test est positif. Parce que car je sentais encore la masse qui bougeait dans mon ventre. Et voilà, 3 jours. 3 jours après, le test à vous. J'ai encore acheté un autre test, j'ai repris. Le lundi passé, les malaises étaient empirés à tel point que, après avoir quitté le service le lundi, j'ai dit non, j'irai faire une échographie de nouveau. Conclusion de l'échographie du 13 février 2023. C'était lundi seulement, hein? Lundi, février. Février. Oui. Grossesse monofœtale intracavitaire évolutive au thème échographique de 14 semaines 2 jours. 14 semaines. Edouard, comment 14 semaines. Et l'osegla wene. Le fœtus est de bonne vitalité ce jour. Edouard, Gandhi, le placenta est antérieur de grade 1. Placenta est sous nos têtes tombées. Les ovaires sont sans particularité. Et dans l'ovaire, les ovaires sont dans nos têtes. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Oui, mieux ton relateur. Quand il y a soir, caca 5 ans, mon pas confié à Dieu. Et mi bon nous à toi, oui mi confié, t'étais mi confié. Quand il m'a pas de vie, mi assez partenaire, c'est content. Quand il y a, moi nous si on va confou. Quand il y a vie, quand il y a maintenant rien, on nous vient. Linda
Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'allais dans les centres de prière. Quand je vais dans ces centres, j'entendais des choses. Je ne venais pas à port de vie. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, lève-toi. Combien d'enfants as-tu? Je ne voulais pas lui parler. Je me suis tue, mais finalement, je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Réellement, Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. Et m'a changé de place. M'a fait grâce. Et m'a donné ce joli enfant. Le moment de contracter. C'est un garçon ou une fille? C'est une fille. Et quand je voulais accoucher, j'ai accouché facilement. Facilement. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Oyonambe denawo anonia ndeji vivifi à 18 ans ya. Wonu pata eglo mba se pas de vie ben ko mba ken si va ke papa podena ma mfofu enjivi de dia ela lo menam ya. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.